Et maintenant? Par toutes les gigolettes du port de Rotterdam, ils sont passés par ici, capitaine! Capitaine, il y a des carcasses de chevaux dans la rivière, une vraie boucherie! Que tout le monde reste sur ses gardes, nous pourrions être attaqués d'un moment à l'autre. Tu as senti une présence? Sais-tu où ils sont allés, Moko? Oui, je crois, capitaine. Ils ont utilisé ce gros tronc d'arbre pour traverser le torrent sans laisser d'empreinte derrière eux. L'écorce est encore légèrement humide. Ça veut dire qu'ils ont 3 heures d'avance sur nous. Capitaine, il y a des branches cassées partout. Il faut vraiment avoir 2 sous de cervelle pour laisser autant d'indices derrière soi. Eh bien, suivons-les. Moko, ça va? Tu vois quelque chose? Si jamais tu aperçois des lingots d'or, n'oublie pas de prévenir tes camarades. Capitaine, je crois que ceci a plus de valeur qu'un lingot d'or. Cette dague incrustée de pierres précieuses appartient à l'attaché militaire du gouverneur. Je l'ai déjà vu à sa ceinture. Ça signifie que le gouverneur et son escorte ont également sauté du tronc à cet endroit. Je pense que nos petits amis ont retrouvé leur piste. Ils se sont taillés un chemin à coups de hache dans la végétation. Par ici! Depuis que Doublon a fait sauter la forteresse, il ne se sent plus, il se prend pour le capitaine. Je crois que nous rattrapons notre retard, capitaine. Ils n'ont plus que 2 heures d'avance sur nous. Dans ce cas, ne perdons pas de temps, essayons de les rattraper avant la nuit. Je ne sais pas comment on va faire pour traverser cette forêt d'épines sans finir en passoire. Il va falloir faire un détour. Je crois qu'on a guère le choix, mais il faudra malheureusement attendre le petit matin. Le petit matin? Mais pourquoi? La nuit tombe, capitaine!
Ce qui veut dire que le gouverneur aussi sera obligé de faire une halte. Leila. Attendons le lever de la lune. À quelle heure doit-elle se lever cette nuit? Peu après minuit. Nous allons dresser le camp sous cet arbre aux larges racines. Dame, je préconiserais d'abord d'inspecter le sol avec des bâtons au cas où il y aurait des serpents. Bien, reposons-nous un peu. Carmo, tu prends le premier tour de garde avec Moko. D'oiseaux et des griffes de chat et qui vivraient en haut des arbres. Petit, es-tu sûr que ces bestioles ne vont pas nous attaquer? Ne vous inquiétez pas, ce sont des crapauds, des joncs. Ils sont inoffensifs. Et ça, qu'est-ce que c'est? On se croirait dans un atelier de rétameur. Ce sont des buses, monsieur Carmo, rien à craindre. Ne me dis pas que c'est le chant du crapaud ou de la buse. C'est un puma, il faut faire un feu. Monsieur Carmo, vite allumez ce bois sec. J'aime mieux affronter trois grands gaillards armés jusqu'aux dents qu'un puma affamé. Nous sommes prêts, capitaine. Tant pis pour la piste, nous irons vers le sud. Nous savons qu'ils vont dans cette direction. Nous finirons bien par croiser leur route tôt ou tard. Qu'y a-t-il? Un bruit étrange, capitaine. C'est la troisième fois que je l'entends depuis que nous sommes repartis. Je l'ai entendu moi aussi. On dirait que quelqu'un rôde dans les parages. D'où le bruit vient-il? Derrière ces buissons, capitaine. C'est peut-être un sbire du gouverneur qui nous espionne. Ou bien un sauvage, un peu trop curieux. Je vais partir en mission de reconnaissance, capitaine.
Bien. Mais observe la plus grande discrétion, Doublon. Je ne voudrais pas que l'on te voie. Et reviens faire ton rapport le plus vite possible. Nous ne pouvons pas rester ici toute la nuit. Et tâche de ne pas te perdre, Doublon. Tu m'as sauvé la vie. Un peu plus et il me tranchait la gorge. Oui, on dit que les pumas visent les veines jugulaires. Dans ce cas, Rabal peut remercier le ciel que celui-ci n'en ait rien fait. Chaussures, c'est plus sûr. Vous vous êtes enfoncé jusqu'au genou. Qui font tous rafler. Eh bien, en fait, ce sont de petits lézards, rien de plus. Mais ils ont des poumons si développés qu'ils font plus de bruit que Monsieur Morgan, avec son gros sifflet. Si quelqu'un d'autre s'était risqué à en dire autant, il aurait tâté de mon poing. Nous aurions déjà dû les rattraper. Le gouverneur et son escorte avancent bien plus vite que je ne l'imaginais. Mais c'est compréhensible, en somme. Que voulez-vous dire par là, capitaine? Ils craignent que le capitaine Hollander et ses vaisseaux n'atteignent Gibraltar avant eux.
pensez que les pirates vont attaquer? Je ne peux pas l'affirmer, bien sûr, mais disons que je ne serais guère surpris de trouver la ville à feu et à sang. Capitaine, à supposer que vous soyez dans le vrai et que les pirates attaquent, sachez que je ne me battrai pas contre mes compatriotes. Je suis espagnol et je ne prendrai pas les armes contre mon propre camp. Je veux bien tuer l'homme de Flandre, mais pas les miens. Plutôt mourir sur le champ. Ta loyauté t'honore, Rabal. Quand nous aurons rattrapé le gouverneur, tu seras libre d'aller défendre Gibraltar. Je vous remercie pour votre compréhension, capitaine. Et d'ici là, je reste à vos ordres. Ça suffit les parlottes ou on n'arrivera jamais à temps? Doublons à raison. En avant. Enfin, nous y voilà. Qu'est-ce que vous diriez d'un bon verre de lait frais? Rabal, je crois que le soleil t'a tapé trop longtemps sur la tête. Mais si tu trouves une vache dans ces marais, mets-moi un faux filet de côté. Désolé, pas de faux filet. Il n'y a pas de vache dans les parages. Qu'a-t-il l'intention de traire, un serpent? Non, je vais tirer du lait de cet arbre. Oh. Oh, capitaine, l'Espagnol a perdu la boule. Qu'est-ce que vous attendez? Apportez donc vos tasses, vos gourdes et vos gamelles. Et pourquoi me regardez-vous comme ça? Je crois qu'il vaut mieux entrer dans son jeu, sinon le pauvre fou pourrait devenir violent. Ça s'est déjà vu. Pas ça, non! C'est peut-être empoisonné, mieux vaut se méfier! C'est bon, il n'y a aucun risque, c'est un arbre à lait! Goûtez, monsieur Carmo, ça va vous plaire! Allez! Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est délicieux. À la bonne heure. Tout bonbon exquis. Je vais m'en faire une autre rasade. À la tienne. Quel est ce bruit étrange qui vient de la jungle?
Je connais bien les oiseaux, mais ce cri-là ne me dit rien qui vaille. C'est un signal, ce sont des êtres humains. Ah, nous avons enfin rattrapé le gouverneur et ses hommes. Non, ce sont des sauvages. J'en mettrai ma main à couper. Ils ne nous prendront pas au dépourvu. Chargez vos armes et soyez prêts à tirer. On est fin prêts, pas vrai, Rome? Ne riez pas, Carmo. La plupart des tribus indigènes de la forêt sont cannibales. Ils vous feront rôtir à la broche. Hein? Si c'est le cas, j'ai bien l'intention de leur faire payer mes côtelettes le prix fort.